On se trouve aujourd'hui sur le futur site de stockage d'archives de la Banque Postale, composé donc d'un entrepôt de 7000 m² avec une hauteur sous plafond d'environ 7 mètres et composé de deux cellules de 3500 chacune. Là, c'est lié à la réglementation pure et dure à la nature du bâtiment et également associé à ça 500 m² de surface de bureau. C'est un bâtiment ICPE classé 1530 pour le stockage des archives donc, puisque le volume de celui-ci imposait à rentrer dans cette réglementation-là, qui obligeait des principes constructifs un peu particuliers qui rentrent dans le simple cadre classique d'un bâtiment code du travail quand on est en stockage classique ou code du travail bâtiment d'activité. Et donc imposait à construire le bâtiment stable au feu une heure. On a fait le choix pour des problèmes esthétiques, environnementaux, d'avoir une structure mixte poteau-béton et charpente lamellée-collée pour un côté plutôt chaleureux, esthétique pour les personnes pouvant travailler à l'intérieur du site. Les caractéristiques autres, après on est sur un bâtiment isolé, bardage double pot, pour pouvoir permettre de chauffer celui-ci tel que le prévoyait le cahier des charges.